Et nous allons rester à Tulle où nous allons rejoindre Thierry Giraud. Bonjour, vous êtes en direct du Conseil départemental. Les élus ont souhaité ce matin se joindre à l'hommage national aux cérémonies officielles à Paris à travers une minute de silence notamment. Effectivement, une minute de silence qui va être observée dans quelques instants. Il y a à peu près 250 personnes dans l'amphithéâtre du conseil départemental. Un peu décevant puisque la salle peut contenir 500 personnes. Mais effectivement, beaucoup sont allés à Paris ou observeront des hommages ultérieurs. Jacques Chirac et la Corrèze, on le sait, c'est une histoire de cœur, particulièrement ici à l'hôtel du département, à savoir que Jacques Chirac a été président de cette institution pendant 9 ans. Alors il y a bien sûr les politiques du département qui sont là, ceux qui ne sont pas allés dans la capitale, mais il y a aussi les anonymes, alors effectivement aussi les agents de l'hôtel départemental, mais des anonymes qui sont venus là et qui ne cachent pas leur émotion. Il va d'abord, après la minute de silence, avoir une rétrospective de la présence de Jacques Chirac en Corrèze. Et puis le week-end prochain, la Corrèze rendra un hommage particulier à celui qui a tant fait pour le département.